que recula à m'inviter. Allez savoir comment se forment les esprits. Et les gens? De formation classique, bruxelloise, tout prédestiné Pierre-Henri Herbé à mener une vie de chanteur d'opéra. Et de comédien? Pssst! Mais parfois, le destin s'évertue vainement à préfigurer l'avenir. Ça, c'est vrai. Il faut que certaines personnes n'obéissent pas et qu'elles fassent elles-mêmes leur propre éducation. Pierre-Henri fait partie de ces irréguliers. Oui. Il rencontra un marionnettiste de tradition lyonnaise avec qui il s'initia très vite au jeu de guignol. Et surtout, il découvrit le monde merveilleux de l'enfance. Ah, les enfants. De guignol frondeur, il sculpte ses propres marionnettes dans le bois tendre du tilleul. Pour elle, avec son éventail à bourrique, il compose des chansons d'amour. Et drôles. Des chansons drôles aussi. Hein? Et... Depuis, il les promène en France, en Suisse, en Belgique. Sa vie, une série d'images où l'intime et le public, le personnel et le collectif se mêlent. Ça va? C'est bon? C'est pas mal. Ouais! Ça marche. Moi j'aime les ampoules électriques. C'est beau, c'est chaud, c'est poétique. Ça se fout du noir, c'est impudique. Mais j'aime les ampoules électriques. L'électricien me connaît bien. Souvent je passe mes soirées devant son petit magasin où trottent les lampions dorés. Quand j'ai le cafard, il me suffit de voir ces petites lumières qui scintillent sur leur coquille de verre le soir. On dirait qu'elles se déshabillent. Moi j'aime les ampoules électriques. C'est beau, c'est chaud, c'est poétique. Afin de pouvoir les changer, chaque soir je les fais péter. Ma femme fait venir l'électricien. C'est un monsieur vraiment très bien. Quand il tripote ses petites ampoules sous l'abat-jour couleur citrouille. Quand j'ai le cafard, il me suffit de voir ces petites lumières qui s'étillent, c'est leur coquille de verre le soir, on dirait qu'elles se déshabillent. Mais l'autre soir, quand je suis rentré, il n'y avait pas d'ampoule allumée. Alors dans le noir, j'ai tâté. C'est ma femme que j'ai trouvée avec l'électricien. Il avait pas mis les ampoules, hein, le coquin. Mais alors qu'est-ce qu'il faisait avec ma femme dans le noir? Oh! Et ça me donne le cafard. Ces petites lumières, je peux plus les voir. Elles sont ridicules, ces coquilles. Même quand elles se déshabillent. J'aime plus les ampoules électriques. C'est froid, c'est bête, c'est diabolique. Depuis, je fais comme mon grand-père. C'est à la bougie que je m'éclaire. Mmh.